Alors, pour le contact d'automaintien, eh bien, c'est un contact qui vient du relais 1CR qu'on vient installer ici en parallèle avec le bouton poussoir. Alors, si je le simule, on alimente le circuit. Alors, lorsque je vais appuyer sur le bouton 2S, 1CR va s'activer, qui va faire en sorte que les contacts vont changer d'état. Donc, son contact normalement ouvert qui est ici va se fermer. Et lorsque je vais relâcher le bouton poussoir, eh bien, plutôt que la tension circule ici vers la bobine, elle va prendre un autre chemin, donc ici. C'est pour ça qu'on l'appelle auto-maintien. Pour le désactiver, il va falloir appuyer sur le bouton 1S. Alors, voici. On désactive une autre fois. On désactive.